Santé. On ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. Amandes sûrement. Du miel, oui. Bon, ça passe quand même, c'est sucré donc ça peut faire de mal. Solar panel. Solar panel. Ah. Motor. Ah ya ha. Korkma ya, otur oraya işte. Ne. On a passé à la frontière turque depuis 70 bornes à peu près. Donc ce matin encore, il faisait très froid avec du vent. Bon, j'ai attendu sur une colline pour recharger un peu mes batteries parce que ça fait 3 jours que je galère un peu les matins à pédaler entre 60 et 70 bornes pour trouver le soleil. Mais ça reste relativement des bonnes journées parce que j'arrive quand même à... Je vais pas me plaindre par rapport aux autres aventuriers qui sont tributaires un peu de la météo. Et j'avance entre 170 et 280 bornes au jour, donc ça se passe plutôt bien. Ampères là, 30 à l'heure. Pour une côte, c'est pas mal. Surtout que j'ai pas du vent favorable. Çekme o karıyı. Gel abi gel. Gel. Çek bir şey. Gel Servet burada. I love you Justin Bieber. Kanki. Sıra gibi ya. Ne abi? Abi küfür etme. Küfür mü edeceksin abi? Semla. Bon arrivé presque Istanbul quoi. On doit être à 50. İstanbul'u. Yes. Abi bir de böyle çek. Kanki. Böyle daha yakışıklı. Değil mi? Arrive 4h de l'après-midi où j'ai une grosse envie de chips parce que je perds pas mal de sel minéraux et j'ai une envie de sel. J'ai toujours l'esprit compétition on va dire, mais j'ai quand même un regard différent sur le timing, c'est-à-dire que j'ai laissé de côté la montre. J'ai plus de montre, ni, je sais à peine à quel jour on est. Et jour après jour, je vois que c'est juste ma motivation de voir du paysage qui fait que j'avance assez rapidement, mais je suis surpris moi-même de là où j'en suis aujourd'hui. En Italie, c'est vrai qu'on est parti avec il y avait un petit noyau qui s'est formé, on était 3-4, on s'entendait très bien. Progressivement, on s'est retrouvé à deux avec Georges, qui est maintenant un ami avec qui on a rigolé durant les soirées, puis ça a été délicat notre séparation du côté de Trieste, sachant que j'ai eu du mal à me faire à l'idée de ne pas pouvoir partager mon aventure avec quelqu'un, qui que ce soit, mais c'est vrai qu'avec Georges on avait ce même rythme, ce même coup de pédale qui fait qu'on avançait à une bonne allure, et on s'est quitté avec quelques larmes, c'est vrai. Et puis voilà, on a hâte de se retrouver. Je lui lance un petit encouragement de son côté, de ne pas m'attendre. Le 15 août, je sais que c'est son anniversaire. On verra si j'arrive à le rattraper.